Bonjour et bienvenue dans cette démo de la nouvelle Talkbox MXR. On se souvient de Peter Frampton dans les années 70. C'est un effet qui est très flatteur, la Talkbox, mais qui était assez difficile à mettre en œuvre pour des petits groupes, dans des petits clubs, etc. Parce que c'est quand même un truc qu'on branche entre la tête et le baffle, etc. Bon, là, avec cette Talkbox, MXR a intégré à l'intérieur un petit préampli. Et ce qui fait que, du coup, elle fonctionne toute seule. Elle n'a pas besoin d'être positionnée entre la tête et le baffle de l'ampli. Elle peut être positionnée comme n'importe quelle pédale d'effet. Elle peut même être positionnée dans une chaîne. C'est-à-dire que vous pouvez même mettre des effets avant si vous voulez. Et donc, le principe, c'est quoi? Je suis branché sur la Talkbox. Alors, quand la Talkbox n'est pas en marche, ben, c'est mon ampli qu'on entend. Et puis, lorsque je la mets en marche, eh bien, on va entendre le préampli qui est à l'intérieur, dont le son va remonter le long de ce tuyau jusqu'à ma bouche. Et donc, c'est ma bouche qui va faire office de caisse de résonance et le son va être repris par le microchamp. Alors, on va essayer. On a trois réglages, donc volume, gain et tonne, donc un peu comme à la manière d'un overdrive. Hein, plus on va pousser le gain, plus on aura un son saturé. Et puis, le tonne va nous permettre d'avoir plus ou moins d'aigus. Donc, j'enclenche la Talkbox et on y va. Mais bien entendu, l'intérêt principal de la Talkbox tient dans son nom. Talk, ça veut dire parler. Donc, on va parler dans le son de la guitare, comme Peter Frampton, par exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment un effet qui est très ludique et c'est vraiment très sympa de pouvoir l'utiliser aussi simplement. Donc moi, je vous invite vraiment à l'essayer si vous êtes fan de la guitare parlante. Et sur ce...